Fabiola n'arrive pas à croire que le bébé soit de Verdugo, mais celui-ci dit que sa grossesse n'a pas plus que 4 semaines, que c'est son bébé qu'elle porte en lui. Bernardo fait savoir à Clara que Camilo est mort, qu'il va l'emmener sur sa tombe. Verdugo paye le docteur pour qu'il mente à Fabiola sur sa grossesse. Verdugo planifie une fête de bal masquée pour célébrer la grossesse de Fabiola. Miguel n'arrive pas à digérer que Fabiola attend un bébé de Verdugo. Bernardo emmène Clara sur une fosse de Camilo. Elle croit vraiment que Camilo est mort. Samantha demande à Nora de l'aider à convaincre Willy de ne pas aller à la campagne. Miguel pointe une arme sur le docteur pour qu'il lui raconte tout sur la grossesse de Fabiola. Celui-ci dit que c'est une grossesse récente. Miguel n'arrête pas de pleurer quand il a appris ça. Fernanda en train de faire un interview en lui faisant passer pour une victime. Clara s'enfuit. Camilo en train de regarder la scène avec Miguel. Camilo s'est mis à courir pour trouver Clara avant ses hommes. A très surprise de voir Camilo que Bernardo lui avait menti. Juan Marcos dans la maison quand soudain toutes les lumières sont éteintes, quelqu'un est venu l'attaquer. Miguel fait savoir à Yvonne qu'il va participer à la fête de Verdugo pour célébrer avec eux l'arrivée du petit Verdugo. Yvonne veut que Miguel renonce à l'idée qu'il va à cette soirée masquée que Verdugo veut organiser pour la grossesse de Fabiola. Celui-ci refuse, au final Yvonne décide de l'accompagner. Fabiola essaie de convaincre Verdugo d'annuler la fête mais il refuse. Fernanda ne veut pas renoncer à l'amour pour Juan Marcos. Elle met en place un plan pour le reconquérir. Ringo annonce à Bernardo que Clara a disparu. Il est très en colère et demande à celui-ci de continuer à chercher sa femme. Camilo explique à Clara la situation dans laquelle il se trouve, que les gens sont très dangereux. Elle demande à Camilo de s'enfuir avec lui mais il refuse pour qu'il ne soit mort. Verdugo s'accroche l'idée que Miguel va venir dans la fête, que s'il vient il va le tuer de ses propres mains. Miguel de l'autre côté se prépare pour tuer Verdugo dans la fête. Willy se rend à l'agence pour discuter avec Samantha parce qu'il l'a vu avec un homme en dehors de son travail. Rodrigo est allé retrouver Juan Marcos pour l'aider. Il dit qu'il déteste Fernanda autant que lui. Camilo demande à Miguel quand il va rentrer chez lui. Quand tout ça va finir, Miguel lui dit que quand il tuera Verdugo. Fernanda donne un fusil à son complice pour tuer Angela parce qu'il a tué son frère lors de la tentative de séquestration de Juan Cruz. Ainsi la fête a commencé, tout le somme sont masqués. Miguel et Camilo pointent leurs armes sur deux hommes et ils ont volé leurs masques et leurs cartes d'invitation. Gustavo étant masqué est allé parler avec Laura. Elle est surprise d'apprendre que Gustavo est vivant. Nicolas annonce à Willy que Fabiola attend un bébé de Verdugo. Verdugo à la fête fait un beau discours à sa femme puis elle l'embrasse tout en présence de Miguel. Yvonne dit à Miguel que maintenant tout est clair, que Fabiola est follement amoureuse de Verdugo. Angela et Juan Marcos regardent la nouvelle vidéo de Fernanda montrant qu'elle s'est fait passer encore une fois pour une victime. Verdugo demande à Ringo de chercher Miguel dans la foule. Miguel s'approche de Fabiola et elle l'a rapidement reconnu. Miguel lui reproche d'avoir tombé amoureuse de Verdugo. Bernardo est allé retrouver Yvonne qui s'est fait passer pour Inès. Il dit qu'il est prêt à l'accueillir dans sa maison. Quelqu'un appelle Samantha et lui fait savoir qu'elle va payer pour les fautes de sa sœur. Des hommes sont venus attaquer Juan Marcos. Ils ont tué son garde du corps. Ensuite apparaît Fernanda avec son robe de mariage. Dans la fête, Fabiola essaie de calmer Miguel en lui disant qu'elle est amoureuse de Verdugo. Miguel en retour dit qu'il est aussi amoureux d'une autre femme, puis il embrasse Yvonne sous les yeux de Fabiola. Elle s'est évanouie. Willy s'inquiète quand Samantha lui dit qu'un homme l'a menacé de mort à cause des erreurs de Angela. Miguel a laissé la fête après l'évanouissement de Fabiola. Verdugo s'inquiète pour Fabiola vu son état. Il appelle tout de suite les médecins. Fabiola pour la première fois serre Verdugo très fort dans les bras. Elle dit que personne l'a jamais aimé comme lui. Verdugo très content d'entendre sa femme dire ces belles choses sur lui. Fernanda prépare une table pour se marier avec Juan Marcos. Juan Marcos dit que jamais il tombera amoureux d'elle. Miguel explique à Gustavo comment il s'est connecté avec Fabiola le jour de la fête, qu'il s'en fiche que l'enfant soit de Verdugo, qu'il était prêt à l'accepter mais il est convaincu que Fabiola aime Verdugo. Pendant que Samantha emmène Nicolas à l'école, un homme à l'étage vise Samantha avec une arme. Malheureusement c'est Nicolas qui a reçu la balle.
Angela en train de pleurer d'apprendre que Fernanda séquestre Juan Marcos, que sa vie est entre les mains des spectateurs. Mimi, Miguel veut quitter le camp de Yvonne, mais Yvonne essaie de le convaincre de rester. Samantha n'arrête pas de pleurer pour son fils en salle d'opération. Fabiola avoue à Verdugo qu'effectivement Miguel était venu à la fête. Verdugo se sent très bête de ne pas l'attraper. Yvonne élabore un plan avec ses hommes pour que Miguel ne part pas de la maison. Elle veut qu'il reste avec lui. Duval vient annoncer à Willy que c'est un homme de Verdugo qui a tiré sur Nicolas. Miguel appelle Willy et Willy lui dit que c'est Verdugo qui a envoyé l'un de ses hommes pour tuer son fils. Fernanda en colère quand elle apprend que c'est son neveu qui a reçu la balle. Miguel décide de rester quand il apprend qu'un des hommes de Verdugo a tiré sur son neveu. Tika appelle Willy et demande des nouvelles de Nicolas. Willy lui dit que son père a envoyé un homme pour tuer Nicolas.